Salut à tous, c'est Damzou pour l'épisode 2 de l'évasion. Alors là, je vais pouvoir recruter un max, c'est moi qui vous le dis, faut juste que je trouve des... Hé, ouvrez les portes! Il y en a qui veulent bosser un peu là. Faut que je trouve des collègues à recruter. Avec le nombre de personnes que j'ai tuées, les mecs, sincèrement. Sauvegarde automatique. C'est un peu le bordel, je sais. Oula, il y a la riot police qui arrive. Ouais, tapez-les. Rien à fouiller sur eux. Y a pas les tasers perdus par hasard. Oh, la boucherie. les mecs. Et les clés là, je les avais vues les clés. Bon, l'émeute est calmée. Merde, j'ai recruté un mort. Pourquoi je suis sanctionné? J'ai rien fait. C'est parce que j'ai recruté un mort, c'est ça? Réputation. À partir de maintenant, vous êtes tous forts. Et toi, t'es mortel. Donc attendez, moi je vais retourner dans ma cuisine. Je vais me chercher un petit couteau et je reviens. Non, le couteau il est en bas. Allez, mec, vous foutez le plus de bordel possible. Il y a tellement de morts, quoi. C'est. Hop là, me casse. Attends, je vais tuer quelqu'un, je reviens. Non, non, on tue personne ici. Voilà, lui il est mort. Ah, pardon. Mais lui aussi il est mort. Non, ça c'est pas une idée de génie où je suis parti me cacher. Y a pas un jardinier qui se serait perdu tout seul dans le... Ah bah tiens. Voilà. Ah ça je pense que... Non ça... Ce serait trop facile d'essayer de s'évader par là. Ah toi c'est moi qui t'ai tué, m'en souviens. Toi reviens, reviens. Je t'ai vu. Bon, on va passer la sanction. On va monter la réputation. Mortel, mortel. Attendez, j'ai rien fait de spécial là. Il y a déjà un qui s'excite. Hein. Vous allez voir, mais je vais vous créer le gang de l'année. Bon, redez-moi les couteaux. J'ai tué tout vous jardinier. Il est pas mal ce couteau, il a une belle gueule. Merci. Tu peux m'ouvrir ici s'il te plaît aussi. Merci. Tu peux m'ouvrir ici s'il te plaît. Allez, merci. Non, on passe loin du détecteur. Quelqu'un peut m'ouvrir ici, s'il vous plaît? Y'a quelqu'un qui peut m'ouvrir ici, s'il vous plaît? Il faut des rapides, des résistants. Ah! Ouais, je. Ah! J'en ai un qui est mort? Passer sanction toujours.
Toujours garder un point que ça va être tranquille pour passer les sanctions. Ouais, bon, bah c'est la nuit là, hop. Je me mets ici. Je fais ça. Ça, il m'a chopé. Bah du coup j'ai passé la sanction. Les mecs vous vous... Lui qu'est-ce qu'il fait? Allez il casse tout. Toi aussi mec, allez lève-toi, vas-y montre-leur que t'es un ouf. Toi aussi, allez, vas-y, pète tout. Oh, le coup de taser dans le vent, hein, comment je t'ai niqué. Oh, deux tasers dans le vent. Inconscient. Ah bah toi par contre, t'as pas raté, hein. On part sur lui. On se... Bah c'est bon, tout le monde s'est fait choper. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus là? On passe la sanction. On va réinvestir tout de suite. Et voilà, vous êtes à fond les mecs. Bon par contre, moi il faut dormir, c'est le sommeil. Vous avez compris les mecs, vous foutez le bordel. Je vais retourner chercher un couteau. Mais non, c'est la matinée. Pourquoi tu m'as réveillé dès que minuit? Ah ouais, tranquille en fait, le mec de ménage, il est venu faire le ménage dans la... pendant la nuit et il m'a jeté un sac poubelle sur la gueule. Il reste vraiment suffisamment d'effectifs pour assurer la protection de la prison là? Est-ce qu'il remplace les gardiens morts? Est-ce qu'il remplace... Normalement les prisonniers morts sont censés être remplacés, ça je suis pas inquiet. Alors, il me faut un couteau... Un couteau... Non, un couteau, pas une fourchette. Voilà, maintenant vous m'excusez, j'ai des gens à aller tuer. J'ai tout votre petit personnel à aller tuer. Attends, t'as du bol qu'il y ait une grille devant moi. Trop dangereux de m'en prendre à toi. Ah, c'est moi qui t'ai tué. Ok. Franchement, les mecs, c'était cool. Il n'y a pas un seul qui a bougé, j'ai tué les trois mecs. Jamais vous m'aurez. Bon, bah en fait, vous m'aurez peut-être parce qu'en bas, je me suis paumé là. Je suis poursuivi par deux gardiens. Toi, c'est moi qui t'ai tué aussi. Et... Allez, on va passer la sanction. Réputation. Ah, mais ils sont à fond. On va recruter des nouveaux copains. Alors, des nouveaux copains. Toi, tu coûtes trop cher. Toi, tu coûtes trop cher, les mecs. Oh. Et pourquoi vous coûtez aussi cher, les mecs? Comment tu coûtes, toi? 60. Mais, oh, vous êtes des psychopathes. Comment tu coûtes, toi? 17, j'ai pas assez non plus. 16. 17. 16, 66. Tu coûtes combien toi? Oh toi tu coûtes 17. 70. Mais c'est quoi ces mecs qui coûtent un bras? Quoi les mecs, vous foutez déjà le bordel? Putain, vous êtes vraiment des bons. C'est des gardiens qu'il faudrait que j'aille tuer, mais.
C'est dur à trouver des gardiens. Ah, par contre, vous les mecs. Tranquille le cimetière. Et il y a un gardien qui va m'ouvrir cette putain de porte, quoi. C'est cool, les mecs, vous du bon boulot. Faut juste que j'aille me chercher des armes. J'ai toujours pas tué un gardien. Si, je crois que j'en ai tué un. Si, j'en ai tué un. Le pauvre gardien qui était tout seul dans sa douche, et je l'ai massacré, le pauvre. Alors, où est-ce qu'il y a un couteau ici aujourd'hui? J'ai déjà dit que les fourchettes c'était moins cool. Parfait. Tu coûtes combien toi à recruter? 16. Bon, peut-être dans pas longtemps. Oh, l'infirmière. Ah, franchement, les mecs là, c'était. Wouhou! Jamais vous mourrez! Jamais! Bon, peut-être parce que je me suis paumé encore. Oh, gardien! Bordel! Ah, il m'a eu inconscient. Passer la sanction. 37. Je peux recruter des copains à 37. Moi, j'ai rien fait, on est d'accord là. Oh, on est d'accord, j'ai rien fait du tout. Pour une fois, laissez-moi tranquille. Je veux juste prendre mon couteau habituel et je vais tuer mes employés habituels. C'est qui le mec qui surveille cette prison, sincèrement? Enfin, un mec qui tue autant de prisonniers? Allez, j'aurais peut-être dû installer le couloir de la mort, c'était peut-être ça. C'était peut-être... C'est ça, mais de manquer le couloir de la mort. Bon, je cherche toujours mon couteau, moi. Bon, bah, je vais prendre une fourchette. Je sais pas pourquoi, mais le gang de la fourchette, ça le fait moins déjà. Donc je passe par là. Pouvez ouvrir la porte ici, s'il vous plaît? Ah, je l'ai mis inconscient, mais je l'ai pas tué. Bon, les 50 points, je peux faire un bon recrutement là, les mecs. Ah, le chien il est mort. Oh, le pauvre chien. Bonjour, toi. Bienvenue. Bonjour, toi, bienvenue. Prochaine émeute, je vais être là, les mecs. Hein. Vous me prévenez à l'avance quand est-ce que vous la faites. Il y a des. Je croise que des flics partout où on va. Bon, il y a un couteau, s'il vous plaît, un couteau. Une fourchette. Bon, c'est mieux que rien, mais moi je veux un couteau. Bon bah voilà, j'ai une fourchette et une cuillère. Qui c'est qui veut me faire chier, hein? Qui c'est qui veut me faire chier? Peut-être quelqu'un qui s'est perdu par là. Là, il y aurait un passage. Non. Ah, par là-haut. Eh oh, coucou. Eh tiens, il reste des tuyaux ici. Merci d'ouvrir ça. Ils sont combien? Ils sont deux ici. Ah, ça fait beaucoup, deux aussi. Ok, ça me fait arriver là. Eh, il me semble qu'ici, il n'y en a qu'un seul. Est-ce qu'il est fatigué, ce gardien-là? Il est pas fatigué du tout. Mais si jamais lui j'essaie de le tuer.
Putain, le mec champion du monde du taser, quoi. Ah, il m'a pas raté, il s'est retourné, tac, tasé. Qu'est-ce que je peux faire avec toi? Niveau réputation. Ah oui, t'as besoin de monter en réputation, mon petit mec. Ah bah, un peu tu t'es retourné, il t'a chopé. Mec, tu vas pas bouger, toi? Chope-le dans le dos. Voilà, et moi je me casse. J'ai essayé de lancer une émeute. Ah, du coup, vous deux vous devenez fort, rapide et résistant. Ed, je commence à créer mon petit gang. Bon alors, non, j'ai vu un couteau. Arrêtez de me proposer des fourchettes, sinon je vais creuser un tunnel. Alors, je veux pas une cuillère. Bon, déjà que j'ai honte de la fourchette, alors vous imaginez pas la cuillère. Je sais pas, est-ce qu'il y a des problèmes d'électricité? J'entends souvent des claques, comme si l'électricité sautait. J'irais bien péter l'électricité. Mort, mort, mort. Il y a quelqu'un qui est vivant encore ici? Ah, t'es chopé au plein vol, toi. Bon, je suis désolé les jardiniers. Mais c'est un métier à risque, il fallait pas être jardinier dans la vie. Oh putain, il y a du monde derrière moi. Jamais vous mourrez. Enfin si, bientôt, parce que la prison s'arrête. Ah, j'ai tenté d'enchaîner celui-là, mais... C'est lui qui m'a eu d'ailleurs. Bah, réputation. Et on passe à la sanction. Eh mec, tu coûtes combien toi? 64. Mais genre, t'es un riche. Comprenez pas, ici c'est ma prison. J'aime pas, et j'aime pas les jardiniers. Ah bah voilà. Depuis le temps que je voulais récupérer un couteau. Merci. Là, j'ai pouvoir m'en prendre gardien. Parce que tuer un gardien avec une fourchette, c'est un peu long. Alors qu'avec un couteau, en deux coups, ça peut passer. Il reste des gens ici? Non, il n'y a que des morts. Bon, il n'y a que des morts ici, c'est pas intéressant. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est moi, je suis désolé pour vous. J'enverrai de l'argent aux familles, c'est promis. Toi, t'es mort aussi, c'est moi qui t'ai tué. Y'a pas des gens qui ont envie de faire une émeute là? Est-ce qu'au moins ils ravitaillent les prisonniers? Oh le cuistot, oh l'ouvrier! Tiens, rentrer là-dedans. Mais non, là y'a trop de gardiens là, c'est pas possible. Par exemple, lui il est tout seul là. Celui du haut il est. Je suis coincé? Mais pourquoi? J'avais rien fait. J'ai été fouillé, c'est ça? On m'a fouillé à l'insu de mon plein gré. Alors, comment on siffle déjà au fait? Siffler, cliquer sur leur nom en haut à gauche. Allez, viens aider ma bande. Alors, il me faut un nouveau couteau. Bon, comme de par hasard, ils ont plus de couteau.
J'ai buté un cuisinier, ça vous apprendra. Sauf que d'abord, je vais récupérer une fourchette, si ça vous gêne pas au minimum. Même si c'est de la merde, je veux ma fourchette. J'ai dit que je voulais ma fourchette, même si c'était de la merde. Bon, il y en a bien une ailleurs. Ah, c'est le sommeil. Ok, j'accepte. Je comprends que pendant la nuit, tu veux pas qu'on se promène. Ouais, non, mais j'accepte. Moi, je suis bête aussi. Je me promène pendant la nuit, je comprends qu'ils soient pas contents. Ne vous inquiétez pas, les mecs, on fera ça demain. Eh oh, je veux dormir. Comment on fait pour dormir maintenant? En fait, l'intérêt c'est de frapper tout ce qu'il y a dans la salle, dans la cellule, ça fait des bonus. Ah, t'es fait choper un peu après. C'est moi, je me suis téléporté dans la cellule d'à côté. Voilà, et j'ai récupéré pas mal de points de réputation. Et maintenant, j'aimerais pouvoir dormir si ça vous est pas, si ça vous gêne pas trop. On est un peu la nuit. Je veux dormir, les mecs. On est bien la nuit là, alors pourquoi est-ce que... Ah bah voilà. Un peu long à arriver. En plus de se faire réveiller à 6h par un mec qui faisait le ménage. Ah bah voilà, je me suis vengé, un mec a fait le ménage, m'a réveillé, du coup j'ai tué tout le monde. Bonjour les mecs. Je peux savoir où vous allez? Je vais bientôt vous rejoindre. Laissez-moi récupérer une nouvelle arme. Cette cuisine, c'est vraiment une réserve d'armes incroyable. Ou un couteau. Merci. Merci d'ouvrir ça. Il n'y a plus de personnel ici. Je vais repasser de ce côté-là. Des fois, il y en a qui se perdent ici. Bon, bah du coup, moi, je leur explique qu'il ne faut pas se perdre ici. Que c'est un peu mon terrain de chasse. Oh, vous trois là! Pardon, vous quatre? Bon, bah, je suis désolé, les jardiniers, mais apparemment, vous étiez pas au bon endroit au bon moment. Et comment il m'a tasé au bon endroit? Bon, Buddy, t'es où toi, Buddy? J'aimerais bien faire péter le générateur. Y'a pas un objet à voler quelque part ici? Toi t'es dans quel prix? Dans quel c'est la... Bah là y'a pas de détecteur de métaux, parfait. Tu piques ce couteau là. Et tu dis gardien. Bon, t'auras essayé de le tuer, c'est pas grave. Pas un truc ici à ramasser. Bon, t'as réessayé, c'est déjà ça. Ouais, bon, t'as pas été énorme, toi. Y'a quoi dans la boutique? Bah tiens, au passage, toi, tu coûtes combien à côté? 65, 65, 65. Putain, mec, vous jouez. C'est un bras recruté, les mecs.
Par contre, il n'y a rien à voler ici. C'est super pourri comme endroit, quoi. Et dans l'atelier, il n'y a rien à voler. Pourquoi tu m'as chopé? J'ai rien fait de mal. Ah non. Je crois que j'ai tué deux gardiens avec lui, bravo. Toi tu coûtes combien à recruter? Bonjour. Tu coûtes combien à recruter, mec? Oh. Ouais, bah franchement, qu'est-ce que tu m'enfermes avec lui, quoi? 25 minutes. Dépositionnez-vous dans la cellule. Bon, ça a fait un point, c'est déjà ça. Y'a pas les trucs à fouiller ici quand même? Pas du recrutement à faire? Recrutement pas cher, toi, tu m'as pas l'air trop cher. 112! Ah, 65! Il dirait le Père Noël, quoi. 112, 65, 88. J'entends des bruits de taser. 60. En fait, j'ai chopé tous ceux qui étaient en promotion, c'est ça? Ouvrez la porte, s'il vous plaît, merci. Elle est où l'émeute? Elle est où? Elle est où l'émeute? Je veux y aller. Elle est ici l'émeute ou pas? Non, eux ils sont en bien trop bon état pour qu'il y ait une émeute ici. Il y a des détecteurs de métaux en bas. Est-ce qu'il y en a ici? Il n'y en a pas. Ouvre la porte s'il te plaît. Là il n'y en a pas. Ah par contre toi, je suis désolé de te dire ça mais... Passer la sanction. Mec, il a été super rapide dans ces bon deck principal que je veux jouer. Vitesse max. Faut que je trouve l'émeute pour commencer. Est-ce que quelqu'un sait où est l'émeute? Généralement, les émeutes. Bah, elle est là, l'émeute. J'ai compris le principe de l'émeute, moi. Tu rentres dans l'émeute et tu tapes partout. Bon, toi, si j'ai bien compris, ici on peut trouver du bon matos. Dégage de là le flic qui me gêne. Voilà. Et après, par contre, là, je peux pas m'enfuir par là. Ah mince! Ah, ça c'est la cantine haute sécurité, hein. Donne-moi ce couteau là. Ok, j'y vais et par là. Bon, l'émeute est finie, je dirais. Toi, tu m'as l'air fatigué en poste et je pense qu'il y a un coup de couteau dans ton dos. Ça lui a rien fait quoi. Bon, est-ce que je peux recruter de nouveaux copains maintenant? Passe la sanction. Bon, j'ai quand même un gang de 6 personnes. Et à un moment, j'ai bien réussi à trouver des nouveaux copains. 110, mais tu coûtes un bras, mec. Comment ils font pour coûter si cher, les mecs, là? Bon, je fais là, en gros, c'est ma dernière sortie avant la fin de l'épisode. Il prend peut-être très mal, mais bon. Ça, alors je vais mon couteau habituel et je vais aller tuer les jardiniers habituels. Quoi que si tu peux me proposer mieux qu'un couteau, n'hésite pas, une fourchette. Ils sont quand même bien équipés les flics chez moi. Hein. Là, il y a une émeute, elle est où l'émeute?
mais que je suis con quoi, je suis passé sur le détecteur de métal. Elle est pas là l'émeute. Si elle est par là l'émeute. Toi tu t'es fait choper déjà. Toi tu travailles. Mec, il y a une émeute et tu travailles. T'as pas compris le truc ou quoi? Trouve-toi un couteau. Non mais malgré les meutes, il y a 4 flics qui restent ici. Il n'y a pas une mobilisation un peu d'urgence? Je peux passer par là. Je me recasse par là. Et je vais aller dans les meutes. Merci d'ouvrir. Tiens, prends-toi ce coup-là. Un point en plus. Ah, toi t'étais déjà. Ah mince, il est mort lui. On passe les sanctions. Bon, on va arrêter ici cet épisode 2. Apparemment, faut faire attention parce que les prisonniers peuvent mourir facilement, ce qui est gênant. Je vais juste regarder du coup si le mec en face de chez moi coûte moins cher ou pas. J'ai l'impression que plus on a de membres dans le groupe, plus ça coûte cher de recruter les prochains. Ouais. Ok, bon bah nous on va s'arrêter ici. Merci de m'avoir suivi. Ciao ciao!